Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je suis avec vous en direct de la chaîne YouTube Adobe France sur Adobe Live. Vous trouvez ça sur behance.net/live/fr. Et aujourd'hui, je suis accompagné, comme chaque jour en ce moment, de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Et d'Aurélien Jeannet. Hello Aurélien. Bonjour, bonjour. Voilà. Bienvenue donc pour les nouveaux sur Adobe Live, pour les nouveaux sur Beyond. Nous sommes en direct tous les jours, en direct du canapé. On va faire le tour un petit peu de tous les artistes qu'on avait envie de recevoir, qu'on avait envie de découvrir un petit peu plus. On va faire des tours de portfolio, des tours de technique. Ce sont des sessions qui sont en direct avec vous. Vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur le chat, donc qui est disponible sur Beyond.net. Alexandre va vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat pour ceux qui sont arrivés du côté YouTube. Et pour les habitués de YouTube, bah vous êtes bienvenus de l'autre côté. Comme ça, rejoignez-nous, ce sera plus facile. Et en plus, tous les gens qui sont dispo dans le chat de Behance, en fait, on peut regarder leur portfolio, on peut voir qui ils sont, ce qu'ils font, et ça, on aime bien. Voilà. Aurélien, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es, te présenter un petit peu? Alors, je m'appelle donc Aurélien Jeannet, je suis illustrateur et directeur artistique en freelance depuis une dizaine d'années et j'ai depuis 5 ans maintenant monté un projet qui s'appelle Maison Tangible avec lequel j'édite des jeunes artistes dans le domaine de l'illustration, du graphisme et de la typographie. Projet qui s'est transformé l'année dernière en galerie à Paris dans le 11e arrondissement. Tout à C'est fait. un bref résumé. C'est un bref résumé, mais il est très très bien. Alors pour les gens qui suivent assidûment les sessions, parce qu'il y a des noms que je reconnais dans le chat, j'ai vu Daniel, Laurent, Quentin, alors Pauline et Alexandre évidemment, Jamila, Jean-Baptiste. Vous avez peut-être vu passer la session avec Alice Dess, qui est venue nous faire des illustrations et qui fait partie des gens qui sont dans la galerie aussi. Exactement. Exactement, artiste, Alice qui est illustratrice et qui fait pas mal de belles choses imprimées que je n'ai pas à la galerie, mais moi j'ai tous ces objets, notamment les céramiques, qui sont de très très belles pièces, fabriquées à la main, peintes à la main. Tout à fait, ouais, parce que je crois que pour tout le reste, tout ce qui est papier, elle passe par la slow gallery, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On a un espèce de pacte avec les gens de la Slow Gallery, vous me connaissez très bien, pour pas se marcher dessus et pas avoir les mêmes artistes, et puis pour pouvoir mettre quand même en avant le travail de tout le monde. Donc moi j'ai les objets, et puis la galerie ils ont le papier. Et alors je vois que Enissa n'avait pas encore le lien. Hop, je lui mets le lien. Check. Bienvenue Enissa. Enissa que j'avais reçue l'année dernière pendant Motion plus Design. Voilà. Je peux peut-être tout simplement nous faire glisser sur ton écran, Aurélien. Ce sera peut-être le plus Ouais. simple dans un premier temps. Comme ça, tu pourras nous partager tout ça. Je sais pas. Et on est parti. On est chez toi. On est sur On est ton chez écran, moi. on te voit, on est là. Ouais. On voit d'ailleurs derrière la bibliothèque de la galerie, on voit le traceur. C'est Ça ça. doit On expliquer voit plein de trucs le aussi. gros bébé. Exactement. Parce que Beau. du coup, j'ai le principe de la galerie, c'est que tous les posters, toutes les cartes que j'imprime ici, enfin que j'édite et que je vends ici, sont imprimées à l'intérieur même de la galerie. Donc c'était un atelier, galerie, bureau, pas mal de choses en même temps. Et je ne sais pas trop par quoi commencer. Je ne sais Alors, pas si bah vous écoute, avez des envies. moi j'irais bien faire un tour sur un bout de portfolio, celui que tu préfères, Ouais. soit ton site, soit tes Insta, parce que du coup il y a celui de Maison Tangible pour la galerie, Ouais. mais il y a surtout le Aurélien Jeannet. Vous avez l'URL d'ailleurs, vous aviez l'URL là-dessous, vous pourrez retrouver ça. Ouais. Eh ben écoute, mon Insta est finalement la part de mon portfolio. Qui est celle que je maîtrise le moins. En fait, c'est plus une sorte de WIP qu'un vrai portfolio pour moi. C'est d'ailleurs même un endroit où je mets mes archives. Toutes les semaines, je fais des stories de récapitulatives des travaux que j'ai faits. Ça sert vraiment d'archives. Alors, je ne sais pas si tu nous l'as présenté, mais pour l'instant, j'ai toujours le lien sur ton. On est toujours sur ton Illustrator. Donc, je ne sais pas si tu as Ah. deux écrans ou si tu n'as juste pas partagé. Alors, attends. Attends. Tac, si je fais. Ah. Est-ce que là vous C'est voyez? beaucoup mieux. Ah, c'est bon.
C'est le fameux truc dont tu nous parlais tout à l'heure, genre, il faut que je fasse gaffe au bureau Apple et tout, mais ça marche pas. C'est ça, exactement. Pourtant, j'avais supprimé les bureaux. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc c'est ce que je disais, mon Instagram, c'est un peu le whip. Il y a pas mal de choses que je mets un peu en désordre et j'assume un peu ce truc-là de ce soit pas une vraie continuité, en tout cas pour ce que moi je ressens, un truc très, très carré, très clean. Mais ça me va bien aussi, ça me sert d'archive et puis je garde ça vraiment comme un axe d'archive, un espèce de blog que je mets à jour. Ouais, c'est normal que tu dis ça parce que c'est quand même super cohérent quoi, quand on voit ça et qu'on découvre ton travail, ça n'a pas l'air du tout aussi bordélique que ça quoi. Ben pourtant j'ai... pourtant. Après je pense que c'est le ressenti de chacun, mais peut-être que... Ouais, ouais, carrément. Non, c'est juste que par exemple, si je change de fenêtre et que je vais sur mon portfolio, sur mon site, comme j'ai un peu plus la mainmise et la maîtrise de l'agencement de tout ça, je me sens plus à l'aise de montrer mon site à moi. Mais ouais, mais t'habilles pas tout de suite, mais dans ton univers quoi. Bah en fait j'en parle régulièrement de ce choix délibéré que j'ai fait il y a à peu près un peu moins de 2 ans de réduire drastiquement la palette de couleurs que j'utilise. Ouais. Pour pouvoir assumer un peu plus les différents styles graphiques que je vais aller chercher. Par exemple, si je suis sur mon portfolio et que je vous montre les anciens travaux que je conserve quand même. Hop là, là on voit que coup l'homogénéité se faisait moins par la couleur. Voilà. Mmh. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place et que, à mon humble impression, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire. Puis c'est surtout en fait c'est aussi un peu de la paresse, mais en tout cas j'aime bien travailler sous contrainte et en fait d'avoir la contrainte de ces couleurs là, ça m'enlève déjà un truc à aller chercher, ça me permet d'aller droit au but et de pas avoir à me poser la question sur quelle couleur je vais utiliser. Ok, c'est intéressant ça. Ouais, parce que du coup, ça te fait à la fois gagner du temps sur la suite, tu sais où tu vas. C'est ça. Alors la palette, je l'ai un tout petit peu augmentée au fil du temps. Au début, je travaillais vraiment avec 6 couleurs, vraiment de manière hyper rigoureuse. Et puis petit à petit, j'ai ouvert pour avoir un petit peu de quoi faire un peu de nuance. Mais ça permet d'avoir des choses assez cohérente en tout cas de mon point de vue, et ça permet aussi surtout aux clients qui viennent me chercher d'aller directement s'identifier dans ce que je fais ou pas. Donc c'est à dire que quand ils vont m'appeler, généralement ils viennent m'appeler pour mon univers et pas pour faire complètement autre chose quoi. Donc ça c'est plutôt agréable. Ok, du coup c'est tellement assumé que ils sont... Mais du coup, quand tu dis tes clients, par exemple, est-ce que tu te permets quand même de sortir de cette palette ou tu restes dedans même pour tes commandes ? Il y en a vraiment... Il y a certains clients que j'ai qui sont des clients plus corpos, des choses que je ne mets pas forcément dans mon portfolio parce que je n'ai pas forcément maîtrisé toute la chaîne de DA, il y a des choses que je n'ai pas en main, du coup, je préfère pas montrer. Mais donc là, je m'adapte hyper facilement parce que je sais que je ne le montrerai pas. Mais quand c'est vraiment des projets portfolio où je sais qu'il y a quelque chose vraiment à montrer, je me bats vraiment pour essayer d'imposer la chose et justement de faire un peu plier le client derrière. Donc c'est assez gratifiant. Ah. Un jour tu seras connecté à Instagram, mais pas aujourd'hui. En privé, c'est mieux, ça évite les messages. Mais je conçois. J'ai une question de Michael Merlet qui fait lui aussi de l'illustration vectorielle. Pourquoi ces teintes plutôt que d'autres ? Comment t'as choisi cette palette ? Alors le choix, en fait, mon travail de manière globale, autant dans ce que je fais en tant qu'auteur que ce que je fais en tant qu'éditeur, il est très axé autour de la transmission, la pédagogie vers l'enfant, la transmission de savoir, le partage. Et en fait, utiliser des couleurs primaires immédiatement identifiables comme telles, ça permet de faciliter vraiment ce langage-là et ça permet d'aller au plus vite à l'idée très simple qu'on veut faire partager quoi. Donc on voit par exemple, là j'ai encore certains projets où il n'y avait encore pas tout à fait les couleurs mises en place, où il y avait encore
des choses qui maintenant moi me gênent, mais qui sont pas du tout gênantes dans l'absolu. Mais en tout cas, c'est un langage graphique qui me permet d'aller au plus simple et au plus rapidement à l'idée que je veux faire passer dans le projet, quoi. Ok. Et alors, dans un de tes projets, il y a le timbre. Alors, est-ce que tu es fan de 50 Cent ou est-ce que c'est une question de c'est quoi cette histoire de timbre? Raconte-nous un peu. Alors, j'en ai quelques-uns là et j'en ai partout en fait. Je sais pas si je dois en avoir là. Je te mets en grande caméra, attention, hop, il n'y a plus que toi. Si on peut voir, j'en ai un peu partout qui traînent des planches de timbre. Je suis fasciné par le. Alors, je suis pas philatéliste parce que je le collectionne pas. Je vais pas aller fouiller eBay pour trouver des timbres hyper rares. Mais le médium timbre m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, c'est un médium qui est tellement petit et où l'idée qu'on fait passer dans le timbre doit être tellement puissante et tellement, tellement efficace que c'est une contrainte, ce qui est super intéressante. Et c'est un médium que j'ai même offert à des artistes que j'invitais avec Maison Tangible pour un truc qui s'appelait l'interview timbrée, qui était une petite interview pour laquelle je leur demandais de dessiner des timbres. Et c'est devenu un peu une espèce de passion destructrice, parce que je ne fais que ça. Destructrice, ouais, je ne sais pas trop. C'est si destructeur que ça. Ah, mais en fait, c'est surtout que des fois, encore une fois, il y a de la paresse où je me dis, ça permet de mettre un cadre, ça permet de mettre dans des choses, ça permet de... Du coup, comment tu fais T'as l'air de te mettre, de bien aimer te mettre des contraintes, tu vois, tu nous as parlé de ça plusieurs fois, le timbre, ouais. Les couleurs, les trucs petits, que ça soit très simple et tout. Comment tu te sens, comment t'arrives à renouveler ta créativité au milieu de toutes ces contraintes et d'aller pousser plus loin? Eh ben, je me suis fixé un espèce de principe de vie créative que j'essaie d'appliquer à la règle depuis quelques années. C'est un très grand monsieur du métier qui s'appelle Paul Cox, que vous connaissez certainement, qui a lui pris le parti de tous les matins, peu importe ce qu'il a à faire dans la journée, il prend au moins une heure, voire deux, pour créer sans raison. Il fait du dessin automatique, il fait du dessin d'observation, il fait de la peinture, il fait du plâtre, il fait plein de trucs. Et en fait, de faire cette petite parenthèse avant de faire complètement autre chose, ça permet une liberté d'essayer de rater un maximum de trucs sans avoir la contrainte que ce soit dans un projet de commande. Et ça permet, parfois, on reprend les carnets, les feuilles volantes, les choses qu'on a essayées, et on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont hyper intéressants et qui peuvent s'adapter au projet sur lequel on est en train de travailler. Et c'est ça, je pense, qui permet de débloquer le syndrome de la page blanche et puis les problèmes qu'on peut rencontrer sur certains projets quand on n'y arrive pas. Donc, je sais, moi, j'ai l'impression de pas assez me renouveler parce que j'ai l'impression d'être encore trop digital et de pas encore avoir le temps de faire de l'objet, de faire de la peinture, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça me permet de chercher. En tout cas. Et du coup, tu fais ça tous les matins ton heure de... Ouais, tu vois, là, j'ai un... Je sais pas si on voit ma caméra, mais... Si, on le voit. Je t'ai pas mis en grand, vas-y, je te remets en grand, comme ça on voit bien. Celui-là, il est encore plus... tu vois, par exemple, ce matin, en arrivant, j'ai fait ce genre de planche qui ne sert absolument à rien au Posca. Okay. Et qui permet de chercher des formes, de faire des trucs comme ça, et... Que ce soit du figuratif ou pas, en fait. Il y a même j'ai un carnet dans lequel j'écris des souvenirs de gamin, par exemple. Je fais une page par souvenir de gamin que j'ai, de souvenirs de cabane, d'accident de vélo, de choses comme ça. Et ça permet de nourrir, en fait, par la suite, parce que je sais que sur le moment, ça va pas m'aider, ça va me servir à rien. Ça me permet de vider un truc et après, je le réinjecterai plus tard. Ouais, après, ça va connecter quelque part de neurones et ça va faire un nouveau truc. Non, c'est trop bien. Moi, je suis en train de prendre des notes là parce que je suis en crise créative depuis 3 mois. Donc... mais alors, tu sais, Pauline, hein, tu peux à tout moment regarder les replays et reprendre les notes. Oui, mais bon. En vrai, c'est pas un message pour toi, c'est pour les gens qui nous suivent. Tout ça, c'est disponible en replay, c'est jamais perdu. Du coup, ça répond un petit peu ton histoire avec Paul Cox, enfin ton inspiration, à la question de Michael qui me disait, du coup, t'as aucune frustration spécifique avec ces teintes, ou alors justement, est-ce que t'avais des side projects où tu te permettais plus de liberté? Donc je pense que ça, la partie plus de liberté, c'est le matin, quoi. Ouais, puis en fait, je crois qu'il y a un moment où...
On parle souvent des artistes. L'ami Jérémy Claise a fait un podcast très bien sur le fait de trouver son style. Mmh. Je pense qu'il y a un moment, en fait, c'est pas tant de chercher son style, c'est de chercher un truc sur lequel on est hyper accord, où on sait que c'est nous, et où on n'a pas besoin de... En fait, quand on ne pense plus à faire quelque chose, c'est qu'on l'a définitivement intégré dans ce qu'on est, dans la manière qu'on l'a créé. Et en fait, ces couleurs-là, maintenant, je me pose même plus la question de savoir si elles me vont ou pas. En fait, je sais qu'elles me vont parce que je sais qu'elles sont finalement exactement ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire passer comme idée. Et par contre, de la frustration, il y en a plein. Il y a plein de, évidemment, plein de projets que j'ai envie de faire. La frustration, en fait, la frustration, elle sert vraiment de moteur, pour le coup, pour fabriquer des choses. Il faut, je pense, de la frustration. Jérémy, on l'avait reçu il y a un an et demi, deux ans, peut-être un peu plus. Ouais. Où il nous avait fait une illustration en direct. Et à ma grande surprise, en fait, lui, il était dans Photoshop pour illustrer et plus du tout dans Illustrator. Alors qu'il a un style complètement, très, très mécanique. C'était marrant, justement, de voir ce passage-là. Ouais. Ouais, tout à fait, il était ami de Talent et depuis il tient son podcast dont tu parlais de Sens Créatif, sur lequel il reçoit plein d'artistes. Vraiment tout le monde aille sauter sur ce podcast, c'est vraiment super bien. Tous les thèmes qu'il aborde, c'est super chouette. Tout à fait. Et alors, c'est donc j'ai Tiffen qui nous disait c'est chouette toutes ces animations. Elle aime bien les versions animées de tes illustrations. Et du coup, quand on descend un petit peu, moi, il y a un projet qui me plaît énormément, c'est ton projet de Chaumont. Le projet Dans la tempête. Je sais que tu avais des... Ouais. Exactement, le projet de l'enfer. C'est mon Apocalypse Now à moi. Parce que ça a pas l'air très infernal, là, quand on regarde la photo, là, ça a même l'air... Ouais, sauf qu'en fait ça a été peint juste avant le confinement. Alors pour remettre dans le contexte, en fait c'est une donc ce lieu qui est super, qui est le marché couvert de la ville de Chaumont en Haute-Marne. Faut savoir que Chaumont est une ville qui est extrêmement forte dans le monde du graphisme parce que c'est là où il y a eu lieu pendant très longtemps le festival qui est devenu une biennale de graphisme, qui est l'équivalent du festival de Cannes dans le monde du graphisme, qui est un truc qui est hyper couru. Et il y a aussi un très grand centre de graphisme qui invite beaucoup d'artistes régulièrement. Et notamment, en partenariat avec la ville, ils invitent des artistes à imaginer des fresques sur les murs de ce marché couvert. Et comme j'aime bien rigoler avec la réalité augmentée, que j'aime bien me mettre des blagues en plus dans les projets, je me suis dit que j'allais faire des peintures qui allaient s'animer en réalité augmentée. C'était juste une contrainte en plus, en fait. C'est ça. Mais ça, c'était avant de me rendre compte que le mur faisait 30 mètres de long et que Chaumont en hiver, ça ressemble à un épisode de Game of Thrones. C'est 2 degrés, c'est des tempêtes de neige. C'est pas rigolo du tout. Fort heureusement, j'étais pas tout seul. Ma chérie m'a accompagné pour peindre la moitié du mur. Deux sessions de peinture. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, c'est peint. Parce que là, quand on voit que ça comme ça, on dirait que c'est une affiche, ouais. Un truc. Ouais, c'est vraiment peint. On peut voir. Il y avait des morceaux du work in progress. Ouais, j'avais préparé des matrices en papier qui me permettaient de faire mes tracés, qui me permettaient après de repeindre. Ça a été un bon challenge technique. Et du coup, pourquoi l'avoir fait en peinture et pas est-ce qu'il y avait un autre moment où c'était une décision On aurait pu imprimer sur des grands panneaux de Dibon et contrecoller ça et ça aurait pu être intéressant. Mais ce qui est vraiment pour le coup intéressant dans ce projet-là, c'est la rencontre aussi avec le public qui passe quand tu fais la peinture. Ouais. Parce que les Chaumontais n'ont pas peur de la pluie et de la grêle, donc, ils passent te voir. Et puis, mais par contre, c'était complètement. J'ai des amis qui. Moi, c'était la première vraie grande peinture murale que je faisais. Et j'ai des amis qui en font régulièrement, qui me disaient que j'étais complètement cinglé de partir sur un projet comme ça sans en avoir jamais fait. C'est ça, mon premier projet fait 30 mètres. C'est ça. Mais ils ont eu raison hein, sur le fond, c'était une catastrophe dans la manière de le faire, mais on a réussi. Mais par contre, ça n'a pas l'air d'être du tout une catastrophe, quoi, du coup, c'est trop bien. Non, je suis assez content, c'est assez propre, même si on est passé par tous les états. Et puis là, du coup, j'ai pas encore eu le temps, faute du confinement, j'ai pas eu le temps d'aller shooter la petite vidéo in situ pour montrer
Parce que l'idée, c'est qu'il y a une application qui fonctionne avec, avec le mur, et quand on survole le mur, on peut voir... Alors là, j'ai un test qui doit marcher sur... je crois que j'avais testé sur une photo, et en fait, dès qu'on survole... Dès qu'on survole, tout se met en mouvement, en fait. Mais c'est trop bien. C'est juste magique. C'est trop cool. Donc là, c'est l'objectif. S'il fait beau la semaine prochaine, voilà, normalement, je dois aller filmer ça en vrai à Chaumont. Ok, ça reste là combien de temps? Ça va rester. En fait, ils invitent un artiste différent tous les 6 mois. Ok. L'artiste qui était avant moi, c'est une illustratrice qui s'appelle Victoria Roussel, qui avait fait un super beau mur. Et voilà, et du coup, là, je ne sais pas encore qui va être nommé pour faire celui qui va reprendre le mur en septembre. Mais en tout cas, c'est chouette parce que ça permet aux gens de la ville d'avoir des contenus différents sous les yeux qui changent de grands panneaux publicitaires et qui sont à chaque fois investis par des artistes différents. C'est pas mal. Ouais, carrément, c'est trop bien. Ouais, parce que pour le coup, à Chaumont, je pense qu'ils sont plutôt gâtés, hein, effectivement. Ah ouais, ouais. Le oui, festival. J'ai eu un flash du passé, là. C'est vrai que moi, j'avais fait une école de graphisme aussi et on avait participé au concours et ouais, j'avais gagné mon truc. Hein. Voilà, j'avais oublié les étudiants. C'est ça. Quand tu gagnes un peu, t'as un billet aller pour Chaumont. Quand tu gagnes beaucoup, t'as un billet aller-retour. Non, j'étais dans le magazine et tout, je me rappelle. C'était il y a 15 ans. Voilà, cela ne nous rajeunit pas. Voilà. Mais grave. La référence non plus. Ouais, c'est ça. Mais en plus, j'invite vraiment tous ceux qui ont l'occasion de passer par là-bas d'aller voir ça s'appelle le CIGN, hein, le Centre international du graphisme. C'est merveilleux. En fait, il y a un fonds d'archives complètement fou. Il y a des expos, que ce soit pour les passionnés d'images ou le grand public, parce que c'est quand même très orienté pour le grand public. C'est super bien. L'équipe pédagogique derrière le projet, elle est super bien. Ouais, et puis depuis longtemps, parce qu'ils ont pas mal. Enfin, il y a des résidences avec des écoles aussi. Je crois qu'ils font intervenir les artistes dans les écoles. Ils font une sensibilisation jeune public. C'est ça. Bah, du coup, moi, j'avais été invité en parallèle de ça à aller dans les écoles avec des. Ça allait de la maternelle jusqu'au lycéen, les terminales. On a fait un imagier en réalité augmentée. Donc, on leur a fait dessiner des. Je peux vous montrer, je crois que je dois avoir une image qui. Quelque part. Tac. Si mon ordi se réveille. Alors. Non, il n'est pas motivé aujourd'hui. Il s'était habitué aux températures de Chaumont. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout qu'il est. Il commence à être vieux, malheureusement, le pauvre. Par la batterie. Pour la route. Hop là. En fait, on a fait des choses comme ça en papier découpé. On a fait un imagier des animaux de la région et qui fonctionne en réalité augmentée. Donc, c'est rigolo de. C'était un projet assez rigolo à faire avec eux parce que l'idée c'était que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc papier découpé, c'est-à-dire que ce soit terminal ou primaire, ils pouvaient faire exactement la même chose. Et ça sort la semaine prochaine. Hein. On reçoit les. Alors, du coup, moi j'ai une grosse question existentielle. C'est trop bien les trucs de réalité augmentée là. C'est vraiment ouais. Magique. Comment on fait pour commencer à faire ça? Tu vois, genre. Moi je me dis, j'ai envie de faire un truc en réalité augmentée, je sais pas par quel bout m'y prendre quoi. Bah. En fait, les outils ont vachement changé. Quand j'ai commencé à faire de la RA il y a 5 ans, c'était vraiment un calvaire d'essayer de faire des choses. Les outils étaient hyper complexes. En gros, sans développeur, c'était impossible. Ouais. Maintenant, les outils ont vraiment changé. Moi, je travaille toujours avec un dev parce qu'on intègre des projets assez lourds. Mm-hmm. Mais pour le commun des gens qui ont envie de créer des choses en réalité augmentée, il suffit d'avoir Photoshop ou n'importe quel autre logiciel pour faire du stop motion, ouais. Pour faire une animation de 3 images, mettons. Et après, il y a la dernière qui survit un petit peu comme app gratuite, c'est Artivive, qui permet de faire de l'intégration de quelques contenus en réalité augmentée. Et puis il y a celle d'Adobe, mais que j'ai pas que t'as pas encore testé, tu m'avais dit la dernière fois. Mais ouais, c'est ça, j'ai toujours pas...
C'est Aero. Pas pris de temps. Aero, si tu cherches, tu vas pas le trouver dans ton Creative Cloud, parce que, enfin, dans ton bureau, parce que pour l'instant, c'est une appli que smartphone et tablette peut-être aussi. Et du coup, dedans, en fait, tu peux intégrer un petit peu de tout. Tu peux intégrer de la 2D, de la 3D. Tu peux surtout générer des comportements. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire, tu peux dire, tiens, tel truc, quand on s'approche de ce truc-là, il va se mettre à bouger. On avait fait une session il y a quelques temps avec Aurélia Durand, où elle avait fait un mur à Belleville, et elle s'était filmée avec la petite application et tout, c'était assez cool. Et elle avait fait même des bouts de clips en réalité augmentée. Donc regardez dans le Creative Club, vous aurez au moins les liens. Et ça, juste avec Aero, tu peux avoir un truc qui fonctionne, ou t'as vraiment besoin de... Alors il faut que tu fasses ton animation. Aero va te permettre éventuellement de faire bouger un peu les trucs, genre monter, tourner, grossir, etc. Tu veux faire une animation comme ce que tu vois sur l'écran d'Aurélien, non, c'est du, enfin il y a du boulot, c'est du After Effects, peut être du Flash. Du coup, tu peux intégrer du After là-dedans. Ouais. Non mais c'est cool. Hein. Tout avance. Merci en tout cas pour pour la passerelle. C'est super bien comme. À quel point ces outils-là se sont développés et à quel point surtout on peut maintenant les adapter à au-delà du côté rigolo et gadget de les adapter à des vrais outils pédagogiques. C'est ça la finalité en fait, vraiment de pouvoir jouer sur l'immersion et sur le côté spectateur-acteur. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la RA. C'est là où ça va durer en plus, où c'est pas juste un truc de mode qui sert un peu à rien, tu vois. Est-ce que t'avais vu l'expo, moi je trouvais ça tellement beau, de Adrien M. Clervé là, et c'était le tout premier projet que j'ai fait en RH, j'ai eu la chance d'exposer avec eux il y a 4 ans en Suisse, et en fait c'est là que j'ai découvert leur travail qui est juste c'est trop bien, on est au bouquin là, c'est en fait. Fou quoi. Ouais. Heureusement qu'on a eu Adrien d'ailleurs pour l'exposition, parce que c'est lui qui nous a aidé à débugger l'application la veille de l'exposition. Donc... Ok, bon, le monde est petit, hein, tu vois, tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et alors, du coup, il y a le dernier projet, enfin, parmi les derniers projets qu'on voit sur ton journal, il y a Axel's House, qui s'est appelé Les Voyages d'Axel. Alors, raconte un petit peu, qu'est-ce que... Justement, Les Voyages d'Axel, c'est un peu mon projet fil rouge depuis pas mal de temps. J'ai commencé il y a presque 2 ans. L'idée, c'était d'imaginer justement une application pédagogique à la réalité augmentée à travers un livre pour enfants qui soit un documentaire scientifique pour les petits. J'ai écrit, j'ai fait pas mal de recherches sur plein de thématiques différentes. L'idée, ça a été d'emmener deux petits personnages à travers des univers différents, que ce soit les fonds marins, l'espace, à la rencontre des animaux sauvages, plein de choses comme ça. De trouver des anecdotes qui soient à la fois rigolotes mais hyper intéressantes. Je sais pas, dans le désordre, le fait par exemple qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur la planète Terre, par exemple. Et vous avez compté. Des petites infos un peu rigolettes, et j'ai tout compté. Ça m'a pris 2 ans. C'est ça. Et en fait, voilà, l'idée, ça a été de préparer un projet sur long terme avec ça. J'ai eu la chance d'être repéré par un éditeur sur Instagram, un éditeur qui s'appelle Avatera, qui est un super éditeur lyonnais, qui fait de très très beaux livres pour enfants. Et c'est comme ça que l'écriture s'est terminée il y a un peu moins de 3-4 mois. Et je suis passé au rough dans la foulée. Et là, je viens de terminer le design. Je passe mon été à animer tout ça. Et ça sort à la rentrée avec une application dédiée. Il y aura une exposition qui va aller en complément du projet. Et on va essayer de faire tourner ça un petit peu. Hein. D'accord, donc toujours en plus le côté touche à tout, à la fois le design, mais aussi l'animation qui va avec, et aussi la réflexion autour, et puis tout ce thème pédagogique, quoi. Ouais, c'est ça, c'était important, je pense que c'était un truc un peu cathartique de pouvoir sortir ça et d'assumer un peu toutes les fonctions et toutes les casquettes sur le projet. Ça me permettait d'être sûr de dire ce que je voulais exactement dire, quoi.
Même si je jette pas du tout la pierre aux auteurs qui illustrent des textes qui ne sont pas les leurs, hein, loin de là. J'espère que le prochain, j'aurai pas à écrire parce que c'est un travail tellement long. L'écriture, la réécriture, la relecture, l'organisation, la structure, parce que si ceci dit, la structure, c'est quand même un peu ton motif principal. Structure, organiser. C'est ce que tu veux dire. Mais j'essaye de le dire. Je sais pas, peut-être. Tu l'as dit très poliment, c'est bien. C'est ça, une diplomatie. Non, mais c'est vrai que c'est un travail, le travail de fond de la recherche d'écriture, que ce soit pour de la fiction ou pour du documentaire, il faut forcément s'organiser d'une manière ou d'une autre parce que on brasse tellement d'informations et on brasse tellement de choses sur du très long terme que si on n'est pas un tout petit peu organisé, c'est assez compliqué, quoi. Bah, du coup, moi je trouve que, enfin, ça dépend des créas, mais les créas, l'organisation, c'est toujours un peu compliqué. Donc, est-ce que tu aurais deux, trois tips à nous donner pour ceux qui ont un peu de mal avec l'organisation, pour quand tu as des idées partout comme ça, pour les canaliser et en faire un bouquin, un truc, un projet au lieu de partir dans tous les sens? Moi, en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que je suis pas du tout bon pour le long terme, normalement. Ouais. Parce que je papillonne beaucoup, j'ai besoin de toucher à plein de trucs et j'ai du mal à me poser sur un projet très longtemps. Mais en fait, l'idée de... je pourrais vous montrer mon bureau, là, mais genre, j'ai plein de carnets de notes, j'ai plein de carnets de croquis, j'ai des feuilles volantes, j'ai plein de choses. Donc, j'assume le côté bordélique sur certains endroits, mais ouais. Du coup, je rassemble dans des... mon ordinateur est assez bien rangé, j'aime bien avoir des trucs dans des petits dossiers bien rangés. Et ça me permet après de structurer. Une fois que ça passe sur l'ordi, je sais qu'au moins, c'est archivé, c'est structuré, donc... ça me permet de retrouver facilement toutes les choses dont j'ai besoin. Quoi. Ok. Et après, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Donc, ouais, carrément. Mais du coup, c'est toujours cool de voir le process de chacun, tu vois, surtout quand c'est des gens pour qui ça marche. Donc. Mais j'ai de très bons potes créatifs aussi qui sont les personnes les plus bordéliques du monde, mais qui arrivent en une minute, même en 20 secondes, à trouver un fichier dans leur ordinateur parce qu'ils savent où c'est dans leur bordel. C'est un bordel très organisé, quoi. Ouais, et sans tricher avec l'outil de recherche. C'est ça. Mmh. Bah, après, je pense qu'il y a aussi un truc. Il y a une très bonne école dans l'organisation que moi j'ai eue à Montréal. C'est quand je travaillais sur des projets de motion où on était plusieurs à travailler sur le même fichier. Où en gros, là, si t'es pas organisé, t'es mort. Parce qu'en fait, si tout n'est pas nomenclaturé correctement, si tout n'est pas renommé correctement. Les fichiers se perdent entre les versions des différents graphistes motion, tout ça. Donc tu es obligé de t'organiser comme ça. Et en fait, c'est un truc que tu gardes après, parce que tu te rends compte que la vie est tellement plus facile quand tu prends le temps d'organiser un tout petit peu en amont. Ouais, tu te libères de ça pour te concentrer sur ce qui est important, quoi. Exactement, ouais. Le fameux fichier final version 12. Final, dead, le dernier point. Mais ok, good. Ça. Et bien ça, remplacer par exemple juste la fin par la date plus l'heure, et bien ça change la vie. Et alors, mais moi je remplace le début par la date et la date. Ça me facilite la vie. Ah ouais, non, mais c'est la date d'abord. Et du coup, bah vas-y, est-ce que tu nous montres un petit peu comment ça marche? Parce que là, on a ton fichier, on a un petit zoom dessus sur les animaux sauvages. Et ben voilà, par exemple, là typiquement, la manière que j'ai travaillé normalement, c'est que j'ai donc tous ces cahiers, ces carnets de croquis, c'est pas mal de choses où je vais faire des éléments séparés, des petits sketchs comme ça. Mm-hmm. Ça après, c'est des croquis un peu plus, c'est des roughs qui sont faits sur l'iPad, qui sont faits sur Procreate à l'iPad, mm-hmm. Qui me permettent vraiment de structurer correctement la composition, de pouvoir agencer les choses comme ça. Et une fois que ça c'est terminé, et que c'est validé par l'éditeur en l'occurrence, je peux passer assez facilement à la version. Le design en fait se fait hyper facilement parce que tout est déjà en kit avant dans mon ref. J'ai pas besoin de. Ouais. J'ai assez peu d'écart généralement entre mes refs et les versions finales parce que je me suis creusé la tête plutôt en amont avant de tout poser, quoi. Tu résous les incidents graphiques et tout ça. C'est ça.
Et là, si je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon fichier de travail pour un... C'est quoi? Du coup, le premier qu'on a vu en noir et blanc, là, c'est ton... C'est ton rough, final. C'est ça. Ah ouais, ça dépend. Donc là, par exemple, on voit vraiment l'étendue du livre, quoi. On a... Hop, là. Ok. Là, il y a un peu toutes les parties sur les fonds marins, l'espace, les grands animaux, la ferme et la ville du futur. Ouh. Et après, ça me permet de facilement passer sur After Effects avec un petit plugin qui s'appelle Overlord qui est un plugin merveilleux qui a changé ma vie. Que j'invite tous les utilisateurs d'Illustrator et d'After Effects. C'est quoi, vous dites le nom? Overlord. Ouais. Tu cherches Overlord After Effects, sinon tu vas tomber sur des vidéos d'Overlord et ça va être un peu étrange. Mais ouais, Overlord, c'est le plugin magique qui traduit tout ça, qui te permet de retrouver tes compos, qui permet de les mettre à jour. Donc ça, c'est un peu minimum. Qui permet de faire du back and forth d'After Effects à Illustrator, d'Illustrator à After Effects, c'est vraiment... Parce que du coup, là, on voit ton projet de livre et après, tu as parlé du fait que tu te mettais à l'animer. Donc, du coup, il y a un... Ouais. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous montrer comme projet d'animation? Allez, soyons fous. Soyons fous. Tac. Voilà. Il y a Aurélien Pichade Malagoli qui était avec nous là il y a quelques temps qui nous dit Overlord c'est le top 3 des must-have dans After Effects. Effectivement. Ouais, je pense, ouais. Si vous voulez regarder une belle session justement aussi sur After, Aurélien, vous avez vraiment démonté des trucs, c'était assez cool aussi en termes de rendu, d'anime et tout. Mais ça, c'est ouais, pour des gens qui, comme moi, sont pas. Des gros techniciens After Effects, parce que moi je me vends pas trop comme motion, parce que je sais animer mes designs de manière assez simple, je connais un petit peu la bidouille sur After, mais je suis pas un grand technicien et je suis pas une brute sur After Effects, et ça fait partie des softs, enfin des petits plugins qui changent vraiment la donne, qui sauvent la vie, qui sauvent du temps, qui sauvent plein de trucs. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Là, je vous ai mis le lien pour ceux qui sont tentés de le retrouver. C'est chez Battle Axe. Et c'est vrai qu'il sauve la vie de tout le monde. Ce petit Overlord. Tac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, du coup, voilà, tiens, on a encore des timbres. Tiens, c'est bizarre. Oui, parce qu'en plus, sur ton Insta, t'avais fait voter les gens pour choisir la couleur de la voiture. Ça. J'avais pas voté, mais la couleur que j'aurais choisie n'a pas été choisie. Et si tu votes pas, voilà. Je peux pas me plaindre. Là, par exemple, c'est un peu les fichiers, des petits projets parallèles, des petites choses que j'extrais du projet Axel. Parce que j'ai sorti un poster qui marche en réalité augmentée, que j'ai édité avec les intangibles. Qu'on voit là. Alors, je pense que je vais faire exploser mon ordinateur si je lance After Effects là. C'est tellement rangé avec amour. C'est-à-dire les couleurs de calque et tout. Bien sûr, c'est rangé, c'est obligé. Comment ça? À chaque fois, c'est le débat. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre son Photoshop, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bah, après, je travaille souvent en me disant si je dois laisser mon fichier à quelqu'un, j'aime bien que ce... Enfin, si je dois prendre le fichier de quelqu'un, j'aime bien que ce soit un fichier organisé. Donc du coup, j'essaie de bosser un peu propre. T'essayes de faire pareil pour les autres. Ouais. C'est ça. Même quand c'est des projets où je sais que je vais être tout seul à bosser dessus, mais c'est pas grave. On ne sait jamais. Ouais, je pense que mon ordinateur va mourir si j'essaie de... Je pense qu'on ne va pas lui demander des previews de chaque. Ouais. Non, c'est ça. Mais en gros, ouais, le parallèle se fait assez vite. Je vais fermer tout à fait parce que ça fait souffler. Le parallèle se fait super bien avec After Effects et Illustrator. C'est assez naturel. Et puis, la base Illustrator, ça reste quand même des mouvements hyper simples. Avec des mouvements hyper simples, on peut faire des choses super chouettes dans After Effects. Donc, avec un univers très géométrique et très simple comme le mien, c'est assez facile, quoi. Il y a Mickaël qui nous dit After Effects, cette interface, tous ses traits, PLS. Respect. C'est ça. C'est un peu l'idée. Oui, d'accord.
Il va falloir discuter à Adobe un moment pour leur dire que After Effects, il s'agirait qu'ils arrivent à trouver des. Qu'ils travaillent avec les gens de la communauté pour réussir à intégrer pas mal de choses qui vendent dedans. Alors, pour la communauté, ouais, je sais qu'on échange beaucoup, beaucoup avec les gens du Motion Café. Il y a pas mal de gens qui sont venus justement, et on a donné pour tous les utilisateurs en fait le fait que dans votre appli Creative Cloud vous avez accès aux prochaines versions d'After. Il y a une partie D'accord. qui s'appelle application bêta et labs, je sais plus comment ils l'ont appelé en français, et vous pouvez okay. télécharger la prochaine version, vous pouvez regarder, c'est application bêta. Et comme okay. ça, quand vous avez envie de voir ce qui va venir, vous avez envie de commenter, vous avez envie d'échanger avec l'équipe, vous n'êtes pas obligé de vous limiter au user voice dont je vous donne l'URL d'habitude. Voilà. Bien. Ouais. Tu vois là, comme pour la réalité augmentée, pour quelqu'un qui n'est pas une grosse brute d'After Effects, qui fait ses illustrations, qui fait des trucs et qui aimerait bien que ça bouge un peu, tu donnerais quoi comme tips pour commencer sans que ça fasse peur et... Ben, Franck l'a dit assez, enfin vient de prononcer un des mots magiques. Il y a des communautés en fait de créatifs sur After. Je pense, peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi de ce que je vois, After ça doit être une des communautés les plus actives dans les logiciels que j'utilise. Mm-hmm. Et les gens du Motion Café par exemple font des super tutos, font il y a tellement de choses en ligne pour apprendre. Sur YouTube par exemple, il y a par exemple une des chaînes que je conseille, c'est celle de Ben Marriott. Oui. Qu'un truc hyper simple pour expliquer des choses qui sont pourtant un peu compliquées normalement sur Affaire. Il y a aussi, j'avais commencé son cours, mais j'ai pas eu le temps de le finir, le cours d'un des patrons d'After Effects, Motion Marcus. Il y a plein de moyens de se former. Puis After, justement, aussi a beaucoup évolué ces dernières années. Et After, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser maintenant que ça l'était il y a 5-6 ans. Quoi. Donc, ok. Tout se simplifie, c'est bien. Tout se simplifie, même si Michael nous réclame un soft où il claque des doigts et où l'anime de ses vectos se fait tout seul. Ça n'arrive pas à ça. Mais, tu rigoles, mais on me pose souvent la question avec la RA, savoir si c'est l'application qui anime directement les images. Oui, bien sûr. J'explique que non. Elle fait ça tout seul. On paye ses petits doigts. Là, je pense que c'est tous les métiers créatifs qui sont un peu magiques et les gens ils s'imaginent que on appuie sur un truc et la photo elle est retouchée ou machin. C'est ça, exactement. C'est le bouton automatique, il est bien celui-là. Mais l'intelligence artificielle va nous amener à des choses comme ça, mais on n'est pas encore tout de suite quoi. Pas tout de suite. Effectivement. Et alors du coup, tu m'avais dit que tu allais peut-être nous montrer un bout de projet et comment tu fonctionnes. Et dans quel ordre tu fais les choses, mais que tu n'allais pas t'y faire. Bah ouais, juste c'est ça. Hein. Exactement. Bah, en fait, normalement, j'ai une manière assez rigoureuse de commencer un projet. Je commence par beaucoup écrire, et après, je fais beaucoup de sketchs dans tous les sens, et après, je passe par Procreate pour faire des sketchs plus propres, et puis après, je passe par Illustrator, donc c'est beaucoup d'étapes. Mais je me suis dit que là, pour qu'on rigole un peu ensemble, je pouvais essayer de faire un projet beaucoup plus spontané en imaginant des étiquettes de bière. Tu vois, parce que, comme moi l'humour, ça me fait rire. C'est important. On a eu de la bière Adobe, on a eu de la ginger beer. Et bah, tu vois, là, ce sera de la de bière avec... on pourra se faire... Une Imperial Stout, une IPA, une Pale Lager et une blanche. Et l'idée, c'était d'imaginer d'y aller vraiment sans sketch préalable, sans aller puiser un peu par mémoire dans les répertoires de forme du truc que j'essaye de faire sur papier de temps en temps. Mmh. Et là, par exemple, je ne sais pas, moi, pour... si on commence par la Stout, par exemple... L'idée, c'est que je travaille, je m'organise un petit peu avec des calques pour pouvoir bien travailler plus facilement. Et après, juste avec le principe des outils vraiment de dessin de base d'Illustrator, il y a moyen de faire des trucs assez rigolos. Tac. Donc là, on se dit que c'est tout noir, mais ça ne va pas rester. Tac. Alors, comme moi, je ne sais pas si vous voyez bien ma palette de couleurs, mais voilà, l'idée c'est que, encore une fois, je me,
je me réserve vraiment un tout petit peu de couleur de chaque. L'idée, c'est que pour faire une espèce de collection d'étiquettes qui soit cohérente, je vais essayer d'attribuer des palettes de couleurs significatives de chaque goût. Et pour la Stout, qui est vraiment une bière assez forte, qui est assez... C'est l'équivalent d'une Guinness ou un truc comme ça, Ouais, c'est ça, exactement. Je suis nul en bière, attention, il faut bah voilà, dire des conneries beaucoup plus que d'habitude. Mais... Non, c'est... Ah non, on voit pas, parce que... Hop. Et l'idée, c'est que pour que ce soit cohérent sur toutes les étiquettes, on va mettre juste des petits yeux et une petite bouche pour que ce soit rigolo et que ça fasse marrer les gens quand ils boivent une bière. Et après, bah, ça va être tout simple. Je vais là dans les choses que je peux aller chercher. Tac. Il y a un petit outil qui est rigolo sur Illustrator qui permet de casser la ligne un peu vecteur d'Illustrator, qui a un outil hop, qui s'appelle Esquisse. Ah, mais c'est trop bien. Et qu'on va venir s'amuser à régler un peu de manière comme ça. Tac. Et alors là, on ne le voit pas. Parce que je suis sélectionné, mais en fait, voilà, ça vient casser complètement le trait d'Illustrator, donc c'est assez cool à utiliser. Et après, moi, je vais juste m'amuser à faire un panel de formes comme ça. Donc, l'avantage, c'est que Illustrator peut mémoriser l'action de filtre que j'ai activé, donc j'ai juste à faire pomme maj E, je crois. Oui, c'est ça, pomme maj E. Et tu réappliques le dernier filtre dessus. C'est ça, exactement. Donc j'ai pas besoin de. Je pourrais même faire toutes mes formes et puis après les appliquer d'un coup à tous, mais. Tu pourrais même être encore plus fourbe et faire comme Stéphane, c'est-à-dire mettre ton filtre esquisse sur le calque, sur l'aspect du calque. Mais là c'est 2000% fourbe. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai En vrai, je crois que je dois faire partie des gens. J'ai eu ce débat avec un ami il n'y a pas très longtemps. Je fais partie des gens qui utilisent encore Illustrator comme j'utilisais avec la version CS6, truc comme ça. Mm-hmm. Donc en fait, les fonctionnalités d'Illustrator, mis à part les coins arrondis là, qui ont changé ma vie quand c'est arrivé, mis à part ça, je crois que j'utilise de la même manière le soft qu'avant. Ouais, je suis d'accord. Mais Illustrator, ça fait partie des outils dont j'aurais du mal à me passer parce qu'il y a ce côté, de pouvoir adapter à des formats improbables que le client peut te demander en dernière minute et puis d'avoir tout déjà de près et de pouvoir zoomer sans aucun problème dedans. C'est un vrai filet de sécurité. Il y a Jean-Baptiste qui nous dit « Ce sont des petites bières mignonnes, livrées avec un livre pour les enfants. Comme ça, on conserve la palette de couleurs pour pas trop déstabiliser les enfants. Ouais, » c'est sympa. C'est une bonne idée. Et c'est un kit pour apprendre aux enfants à boire de la bière. Je pense qu'on tient un concept. Mais ils ont pas encore la moustache qui trempe dedans. C'est un peu gâché. Ouais, tu sais, ça me rappelle quand j'étais petite, il y avait les cigarettes en chocolat, tu vois, qu'ils ont interdit parce que... Exactement. Ils ont incité à fumer après. Relançons ça, la loi est bonne. C'était la bonne vieille époque. C'était mieux avant. C'est clair. Mais en gros, voilà, l'idée c'est de. Là, clairement, je fais un peu n'importe quoi. J'essaie de y aller vraiment comme ça vient. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec les sessions de dessin que je fais le matin. Mmh. C'est qu'en fait, ça génère de l'accident. Et en fait, c'est de l'accident qui est vraiment hyper intéressant. Hop, si je fais. C'est l'accident en fait que je trouve vraiment intéressant, surtout en ce qui concerne mon travail, qui est souvent quelque chose que j'essaie de maîtriser, de géométrique et parfois un peu moi que je trouve chiant parce que j'aime bien avoir une autre vision de ça. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir se permettre de rater des choses, d'avoir des trucs qui montent les unes sur les autres, c'est assez rigolo. Et ça permet ce que tu disais tout à l'heure, de renouveler un peu le style qu'on utilise et de pas s'ennuyer en fait. Carrément. Alors, tac. Ok.
carrément. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour les gens qui nous suivent, plus tard, vous cliquerez sur le lien vers la session de Stéphane Baril sur les aspects et styles graphiques. Il nous a fait une heure de tour d'horizon de comment ça marche, sur quel calque, sur quel groupe. Vous pourrez revenir dessus et en prendre plein les yeux. Mais par contre, attention, c'est moins joli que ce que fait Aurélien. Ouais. Écoute, si ça c'est joli, je sais pas. On va voir. Mais tu vois, j'avais fait les choses bien, toi, j'avais préparé même ce qu'on appelle l'indice d'amertume, là, le IBU avec le pourcentage d'alcool. Ouais. On a fait les choses bien. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, quand on parle de palette de couleurs et quand on parle de choses comme ça, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir amener des idées qui soient, enfin, amener de la complémentarité dans les idées que tu veux faire passer. Et du coup, je trouve ça assez cool de dire qu'avec avec le même petit alphabet graphique qui tient à pas grand chose, mais en l'occurrence là ça tient qu'avec des couleurs, avec le même alphabet graphique, on peut imaginer plein de trucs différents et c'est assez. Ça fait vraiment du bien, je trouve. Ouais, carrément. C'est marrant, souvent les créas ils disent que quand ils ont trop de liberté, ça les bloque, tu vois, et je me rends compte que tu te mets vachement de structure, de limites pour laisser exploser ta créativité là-dedans, quoi. J'admire vraiment les gens qui sont capables de partir de rien et de créer un projet complet sans aucune contrainte, parce que j'en serais parfaitement incapable. Hein, donc je pense qu'après, chacun peut trouver sa manière de faire. Ouais. Mais, que, de toute façon, t'es toujours limité par les contraintes de ton existence, mais c'est vrai que des fois, c'est large. Ben voilà. Et tu vois, par exemple, j'écoutais encore une fois, on va reciter les copains, mais le podcast de Jérémy Claes qui invitait une illustratrice hors petit qui est jeune maman et qui expliquait travailler beaucoup plus rapidement qu'avant, de manière beaucoup plus concise que celle parce qu'elle a moins de temps pour travailler. Donc du coup, elle est obligée d'aller au plus efficace Donc là, on voit vraiment que je prends pas beaucoup de temps sur chaque visuel, mais c'est un peu l'objectif aussi. Et après, je peux vous montrer, parce que je vois que l'heure file un petit peu. En gros, l'idée, c'est que j'ai fait ça pour les trois palettes de couleurs, enfin les quatre palettes de couleurs et les quatre étiquettes. Et ça m'a donné plusieurs résultats. J'ai fait à peu près dans les mêmes temps des tests. J'ai fait trois tests pour chaque. Ouais. Après, j'ai trouvé un merveilleux mock-up de bière sur les internets. Je remercie les internets pour tous les mock-ups qu'ils me proposent chaque jour. Et ça donne des choses assez rigolotes parce que tu vois, par exemple, pour la blanche, celle que j'ai appelée la blanche de blanche, ça permet de faire des jeux. Vous voyez bien mon Photoshop, hein ? On voit super bien. Ouais. Oui, ce coup-ci, il n'y a pas de souci. Ça a permis de faire des tests. Un peu dans tous les sens, d'imaginer, celui-là je le trouve assez rigolo, je l'ai fait juste avec l'outil zigzag de Photoshop, d'Illustrator, qui est assez hilarant. En fait, les outils de base, c'est ça, les outils de base d'Illustrator, en fait, sont assez, assez puissants et sont assez, assez rigolos quand on les quand on teste. Donc là, on voit un petit peu toutes celles-là. J'en avais testé pour la start, voilà, comme ça. Mm-hmm. Vous avez vu que j'étais en train de tricher, j'étais en train de refaire celle que j'avais fait tout à l'heure. T'étais en terrain connu, c'est genre, aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort. C'est ça. Mais il n'y avait pas le calque à 2% que toi seul vois, YouTube ne voit pas du tout, mais qui te permet de te caler. Non, non, moi, je ne triche pas. Je préfère ne pas vous mentir et vous montrer. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir. Moi, celle que je trouvais assez rigolote. Hop, tout s'ouvre, pas du tout. Voilà. Là, par exemple, je trouvais que ça permettait. En vrai, j'ai fait ces tests-là, je les ai faits sur l'équivalent de 2 heures, 2 heures et demie entre hier et aujourd'hui. Et je trouve que ça montre qu'avec un minimum de contraintes et. Et des choses qui permettent de faire une collection, il y a moyen d'avoir des projets hyper intéressants et variés mais cohérents, quoi.
C'est ça. Et y a, encore une fois, on parlait de contraintes. Le médium, hein, étiquette de bière ou de vin ou packaging en règle générale, je trouve hyper intéressant parce que justement, il y a, c'est des contraintes qui sont régies par des codes très spécifiques normalement. Et ce qui fait que, hein, une collection peut marcher, c'est justement quand elle brise un peu les codes, qui sont généralement admis. Moi, typiquement, j'y connais rien en vin. Le vin que je vais prendre chez un caviste ou dans un Il a supermarché, une belle c'est étiquette. clairement les. Bah voilà, C'est ça. je suis vraiment débile avec ça et je suis pas très bon pour choisir le vin. Donc au moins, si mes amis, quand j'amène du vin, me disent que le vin est dégueulasse, je leur dis ouais, mais il y a une belle C'est étiquette. ça, vous pouvez garder la bouteille, elle est cool, non? Ouais. Faites-en une bougie, voilà, C'est ça. faites-en un vase pour les faire. Et pour le coup, je reconnais quand même ton mock-up, vu que tu l'avais utilisé pour Fauve. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai fait quelques photos, mais ça, c'est une de mes grandes lacunes, par exemple, dans la vie Ouais. et qui m'attriste, c'est que je suis extrêmement mauvais pour retoucher les photos, D'accord. pour les prendre et pour les retoucher. Donc, en fait, l'étiquette que j'ai fait pour Fauve l'an dernier, j'ai préféré directement faire un mock-up parce qu'en fait, toutes les photos que je faisais, ça n'allait pas du tout. Donc, Il y a sinon, Alex qui demande si tu voilà. avais utilisé Dimension pour mettre en place, mais non, même pas. Ben non, ouais, voilà. Je ne sais pas si vous voyez là mon portfolio, mais la Ouais. seule photo que j'ai, les niveaux sont absolument affreux et rien ne va. Donc je me suis dit, ok, je vais la présenter Non, mais en fait, il faut avec un mock-up, ce qu'on sera te plus mette simple. Lightroom sous la main, ça ira tout seul. Mais j'essaye, hein, j'essaie petit à petit. J'ai des copains qui désespèrent de m'apprendre Lightroom, mais j'ai pas du tout le compas dans l'œil, j'y arrive pas. Des fois, j'ai l'impression je me dis, ah ouais, là, j'ai fait une super retouche, et en fait, non, c'est vraiment de la mise, hein, ça va pas du tout. C'est cool. Moi, ça me rassure parce que du coup, tu vois, j'ai la même chose, mais avec After Effects. Chacun son. Ah ben voilà. Il y a l'air. Ah ben on peut. Je pars du principe que l'idée, c'est de connaître ses faiblesses pour pouvoir appeler des gens qui sont forts là-dedans pour. C'est connaître ses Par faiblesses exemple, et avoir la bonne communauté. ouais. c'est ça, avoir les copains pour nous aider. Pour les photos qu'on fait pendant les vernissages à la galerie, j'ai arrêté de me dire c'est moi qui vais les faire, c'est moi qui vais les retoucher parce que c'était une catastrophe quand c'est moi qui les faisais. Donc, Bah, puis en plus, un si tu fais des photographe. photos pendant le vernissage, tu profites pas du moment, quand même, C'est ça. de pouvoir courir et amener les toasts. Ouais. Et puis boire la bière surtout, c'est quand même l'attrait principal de la vernissage. Il y aura bientôt des vernissages à la galerie ou pas? Et ben ouais, justement, là, le 4 avril, le 4 avril, non, le 4 avril, c'est la date originale. C'est ça, la Le date 4 n'était avril, on pas. aurait dû, la 4, le 4 avril, on aurait dû fêter l'anniversaire de la galerie, le premier anniversaire de la galerie, et Covid oblige, on a dû annuler. Et du coup, on reporte ça au 4 juillet, donc 3 mois tout pile après. Et pour l'occasion, je propose une exposition en réalité augmentée avec 11 illustrateurs et illustratrices, qui sont en plus des chouettes, enfin, c'est un casting un peu or et platine, là, c'est assez chouette. Il y a des gens comme Tomo Goma, Vincent Mahé, Bruno Mangyoku, Kim Rosalier, Lila Popine, enfin, ils sont tous plus forts les uns que les autres. C'est ça. Et ils ont tous fait des images sublimes et des animations encore plus belles. Donc j'ai très hâte de vous présenter ça. S'il y a des gens qui sont dans le 11e arrondissement le 4 juillet, n'hésitez pas, c'est un samedi, ce sera tout l'après-midi. Il y aura à boire et à manger. C'est cool, c'est Faut cool. pas hésiter. Est-ce qu'on a deux, trois photos de ta galerie pour voir à quoi ça ressemble Ah ou... bah oui, il faut regarder du côté des intangibles, c'est vrai. Et Alors, on en a il vu faut la ça. dernière fois en plus. On n'arrête pas de regarder à nouveau des photos de maisons tangibles. Hop. Je Yay. vais voir le site. Alors, Ça. tac, tac. En fait, le lieu est pas très grand. Le lieu, dans sa globalité, doit faire même pas 35 mètres carrés. Et dans ces 35 mètres carrés, j'ai une partie galerie et j'ai la partie où il y a mon bureau. Plus le traceur, tout ça. Donc en fait, la galerie doit faire un peu plus de 15 mètres carrés. Mais ça permet quand même de faire pas mal de choses, de petits événements et d'accueillir du monde. C'est trop bien. Alors. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si on le voit. Hop. Après, c'était la dernière exposition avant le confinement
d'un artiste, enfin de deux artistes français, dont un qui vit à Londres, qui s'appelle Pierre Pou et Georges. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si on voit bien là. Et c'est. Ah, peut-être que sur la première expo, il y aura plus de photos. Hop, voilà. Donc, on parlait des timbres tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est la toute première expo qui a. Avec tous les timbres. Qui a les murs de la galerie. C'est il y avait 54 artistes en tout. Et je pense qu'on va voir une petite photo du vernissage. Et ben non, même pas. Bravo Aurélien. Le teasing pour rien. Non, c'était bien tenté quand même. Il y a Adrien Joulet qui nous a reconnus là-dessus. Qui a dit tiens, il nous a rejoint, on n'est pas dans le 11e, on se déplacera jusque là-bas. Merci Aurélien. Merci Adrien. Et ben voilà, il faut venir. Je pensais avoir les vraies photos de la galerie, mais je me rends compte que je n'en ai pas. Non, mais déjà, on se rend compte et tout, c'est trop bien. Ça donne envie d'aller voir. Mais c'est. Venez, je vous accueille avec le sourire, avec beaucoup d'amour. Oui, du coup, t'es là tous les jours. Comment ça se passe? Comment on passe? Comment on vient voir? Eh bien, la galerie, elle est ouverte de 14 à 19 tous les jours. Sauf aujourd'hui. Okay. Excepté aujourd'hui où j'ai mis sur la porte qu'il y avait, la télé américaine qui venait me chercher. Non, en fait, c'est 14-19 tous les jours. Là, normalement, je suis pas ouvert le samedi parce qu'en fait, le projet Maison Tangible, c'est un projet que je mène bénévolement à côté du travail. D'accord. Donc, ça prend déjà beaucoup de temps la semaine, donc ouvrir le samedi, c'était un peu compliqué. Mais là, Covid oblige, je me suis dit que j'allais ouvrir pendant l'été le samedi parce que ça permettait de faire revenir un peu les gens. Et pour l'instant, je suis sur le rythme où j'ouvre du lundi au samedi de 14 à 19. On verra après la rentrée, savoir si j'arrive à m'entourer de gens pour m'aider à ouvrir le samedi. Et puis si c'est le cas, ce sera ouvert entre 4 et 6 jours par semaine. Ça peut être pas mal. 14-19, c'est pas mal. En plus, le quartier est pas mal. C'est un petit quartier commerçant. Il y a des bonnes pâtisseries pas loin. Il y a des pâtisseries tout autour. Pâtisseries, chocolaterie, vous avez toute la gamme. Franchement, une petite pâtisserie, une petite expo et tout, c'est quand même ce qui nous a manqué là. C'est clair. Exactement. C'est clair. Bon, bah écoute, vu que c'est l'heure du goûter, à peu près. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce petit tour d'horizon. Merci pour la découverte. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Tu sais que ça faisait un bail que je te tannais pour que tu sois avec nous. Hein. Ouais, merci, c'était trop bien. C'était plein de trucs, c'était super cool. Bah, merci. Merci à vous. Et puis merci aussi donc à tous les gens qui étaient avec nous dans le public, que ce soit sur YouTube où je vous ai tous renvoyé sur Beyoncé. Merci d'avoir échangé avec nous. La conversation continue sur Discord. Si vous avez envie de nous suivre derrière, Alex vous a mis le lien vers le Discord. Vous pourrez échanger avec nous, poser des questions. On a fait des petits salons en mode tous les liens qu'on a diffusés pendant la session sont sur le Discord. Et vous allez pouvoir aussi faire, il y a un salon sur du design feedback, salon sur les questions, etc., etc. Donc c'est peut-être l'occasion d'échanger avec la communauté. Bref, merci à tous les deux, merci à tout le public. On se retrouve la semaine prochaine, parce que demain on n'aura pas de live. Demain on n'a pas de live, il y a une pause globale du côté Adobe. Donc revenez nous voir lundi. À très bientôt. Très bien. Et bon après-midi. Merci, bisous. Bye bye.